Nouvelles empreintes détectées. De quoi ? Augmentation du volume de 33%. Nouvelles empreintes détectées. Qu'est-ce que... T'es quoi, bordel ? Demande utilisateur, spécification, arme intelligente HJKE-11 avec IA intégrée, modèle expérimental. Non, skippy. Skippy, sérieux ? Augmentation du volume de 66%. Non. Je suis pas sourde. Compris. Oui, non altéré. Problème potentiel, faible QI. Diminution de la vitesse d'élocution de 33%. Non. Non. Et skippy. Non, c'est pas ça. Oh, pff, laisse tomber. Le mec à côté de la benne, c'est ton proprio ? Vérification de la mémoire. Espace disponible, 100%. Fichier supprimé manuellement. Cause probable, vol. Propriétaire d'origine, aucune donnée. Solution proposée, aucune. J'en ai une, moi. Je te récupère. Traitement de la demande. Aucune objection trouvée. Je peux changer ton nom ? Non. Pourquoi ? Maintenant que je suis ta nouvelle proprio. Augmentation du volume de 300%. Non ! Les droits d'administrateur sont requis pour valider cette action. Vous n'avez pas les autorisations nécessaires. T'as encore toutes tes fonctions ? Lancement d'un diagnostic système. Le test prendra environ 47 secondes. Bam bam bidam bam bam bidam. Qu'est-ce que tu fais là ? Je rends l'attente plus agréable avec une mélodie apaisante. Bam bam bidam bam bam bidam bam. Test terminé. Le programme Skippy version 0.01 alpha s'exécute normalement. Ok. Alors qu'est-ce que tu sais faire, à part me casser les oreilles ? Fonctionnalité première, ciblage automatisé. En cas de menace critique contre l'utilisateur, capacité de tir autonome. Veuillez choisir l'un des deux modes d'exploitation. Premier mode, pacifiste ami des animaux. Je viserai les membres inférieurs de l'ennemi. Second mode, tueur sans pitié. Je viserai exclusivement la tête. Tueur sans pitié. Ça me convient bien. Réglage en cours. Bam bam bidam bam bam bidam. Oh. Mode sélectionné. Tueur sans pitié. Bon massacre. Entendu Pépé. Dégagez d'ici. Va chier, Joule. Ou je te planque mon couteau dans Attends. Le bide. Je la connais, cette conne. C'est elle qui a tiré sur nos gars quand Gustavo s'est pris une bastos. Parfait. Là, ça devient intéressant. Ah, ça commence à faire... Waouh, il s'est passé quoi ? Tu t'étais attiré des emmerdes, mais c'est réglé. Putain de merde ! Désolé, je crois que j'ai un peu trop bu. Oh merde, quelle soirée ! Mais...
coup, tu m'as aidé. Parce que tu te serais fait casser la gueule, ou pire. Cette putain de ville, là, ces gens-là. Je suis là, tranquille, je demande rien à personne. Sans toi, je... Tiens, merci pour ton aide. Et le reste, défilé au barman. Il lui tournait autour comme des putains de requins. Ça aurait pu être moche si t'étais pas intervenu, mais... Ouais, je devrais peut-être porter une cape. Allez, on va trinquer à ta santé. C'est la maison qui offre. Je refuse jamais un verre gratuit. À la chance et à la prospérité. Dure journée. Tu m'étonnes. J'enchaîne deux services, sans pause. Tu fais des heures sup pour faire un peu de fric ? Non, j'ai juste pas envie de rentrer chez moi. Ça fait 10 ans que je suis marié. Tout allait bien et d'un coup, je suis plus assez bien. Salope ! Elle décide de goûter aux autres menus, comme ça. Enfin bref, en parlant de fric, tu voudrais pas me rendre un service, V ? T'inquiète, ce sera bien payé. Je t'écoute. Bon, c'est au sujet de ma femme, Cynthia. Elle me trompe, j'en suis sûr. Mais je veux savoir avec qui. Ben, soit je me laisse ronger, soit j'engage quelqu'un comme toi. Ça te prendra pas plus qu'une soirée. Va falloir que je suive ta femme à travers la ville. Tu sais où elle est, en ce moment ? Elle bosse pas loin. Je vais te filer l'adresse. Elle doit faire une pause club, c'est sûr. Elle fume comme un pompier. Comme la moitié de la ville. Attends. Aujourd'hui, je crois qu'elle portait une veste rose et... Elle avait un sac à main bleue, je crois. C'est coloré. Elle a toujours aimé se faire belle. Offre des beaux cadeaux à ta femme pendant 10 ans et voilà comment elle te remercie. Sûr qu'elle te trompe ? Déjà, elle me dit qu'elle bosse tard en ce moment. Sauf que je sais qu'elle ment. Parce que j'ai appelé un soir. Et ils m'ont dit qu'elle n'était pas. Et en plus, on a eu un gamin ensemble, tu vois. Et il me ressemble pas du tout. Ses cheveux, ses yeux... Il a rien de moi, ce gosse. Avant, c'était facile de vérifier. Mais avec la tech d'aujourd'hui, on peut falsifier n'importe quel test. Pourquoi tu veux savoir avec qui ? Ça servira à quoi ? Ça servira à quoi ? C'est quoi cette question de merde ? C'est une question simple. Réponds. Je veux le regarder dans les yeux et lui demander ce que ça fait de baiser la femme d'un autre et de détruire un mariage. Ok, ok. Je marche. Merci, mais tu sais, c'est vraiment important. Un bar sordide, une trahison, une jolie femme. On dirait un scénario de polar à l'ancienne. Pépé était habitué à écouter les soucis de ses clients. Mais ce soir, c'est lui qui avait besoin de parler à quelqu'un. C'était toujours la même histoire. Une femme infidèle dans une ville où rien ne dure jamais. T'as pas fini. J'essaie de me concentrer. J'arrivais sur les lieux, à la recherche de la femme à la veste rose. La femme au passé sordide. Ok, arrête ça.
de veste rose et leur regard innocent. C'était elle, la femme en rose, la briseuse de cœur, dans le halo de la fumée d'une cigarette. Je lui emboîtais le pas. En rêvant du jour où le narrateur fermerait sa gueule. Trop près, je risquais de lui faire peur. Il fallait que je fasse plus attention. Je sais, je sais. La femme passa devant un clochard, sans s'en approcher. Sa conscience était déjà assez sale, pas besoin de salir aussi ses vêtements. Putain, je mérite pas ça, bordel. Ça va peut-être pas être si mal de mourir. Tiens, tiens. Hé, hey, toi, là ! Qu'est-ce que tu fous ? Putain, Cynthia ! Je t'avais dit de vérifier que t'étais pas suivie. C'est ton mari qui m'envoie. Il avait des doutes. Quoi ? Faut croire qu'il avait raison. Non ! Attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Bah vas-y, je t'écoute. Ok, déjà, c'est pas mon Jack. C'est mon charcutoc. Un spécialiste en chirurgie plastique. Un spécialiste ? Dans ce taudis ? Oui, je sais. Il y a eu un petit accident il y a quelques années. La victime... Enfin... La famille du patient ne lâche pas l'affaire. C'est pour ça que je suis forcé d'opérer ici. Attends un peu. Et ton gamin ? Le truc, c'est que... Je ressemblais pas à ça avant. Je me suis fait refaire tout le corps. La peau, les cheveux, les yeux. Tout. Sauf que les gènes, eux, ils restent les mêmes. C'est pour ça que notre fils ressemble pas à ce que Pépé imaginait. C'est pas parce qu'il est pas le père. C'est que... Je ressemble plus du tout à ce que j'étais avant. Mais... Pourquoi t'as fait ça ? À ton avis ? Parce que je m'ennuyais ? Parce que j'étais une Richarde de merde ? Tout le monde a un secret. Quelque chose qu'il veut oublier ou laisser derrière lui. Et moi... J'en avais beaucoup. Et je veux en parler à personne. Même pas à mon mari. Je sais que j'aurais dû en parler à Pépé, mais... J'ai jamais trouvé le bon moment. Et je suis encore enceinte. C'était pas prévu. Je t'en supplie. Dis-lui que... Que ? Je sais pas. Je sais même pas quoi lui dire, moi. Dis-lui que je suis désolée.
que la vie est qu'un putain de drame complètement absurde, ok? Allez, vas-y. Ah, là-dessus, je vais pas la contredire. C'est fait. J'ai suivi ta femme. Elle est allée dans un taudis. Et elle a retrouvé un homme. Je le savais. Quoi d'autre? Tu le savais, hein? Tu sais rien du tout. Elle te trompe pas. Enfin, pas comme ça. Hein? Ça veut dire quoi? Je veux pas m'impliquer dans cette histoire. Elle t'expliquera ça elle-même. J'ai fait ma part du boulot. Alors crache l'oseille. Non, je pensais que j'étais pas qu'un simple client pour toi. On dirait que je me suis planté. A plus, V. Le silence tomba comme une chape de plomb sur la ville, étouffant ses pleurs. C'était l'heure de raccrocher. J'avais besoin d'un verre. Ah, là c'est mieux. Au moins je comprends. Apprécié notre première méditation. Vous aviez disparu où? Quelqu'un d'autre avait besoin de moi. Je me suis sentie comme neuve après. Une contemplation profonde doit être régulière pour donner des résultats. Une goutte de pluie ne suffit pas pour étancher la soif. Désires-tu réessayer? Combien pour une autre séance? C'est à toi d'en décider. Ça devrait suffire. Bien. Je vais veiller sur toi pendant la méditation. Voici une méditation de l'élément de l'eau. Nous sommes
au pied d'une cascade. Esprit de l'eau, je te salue. Tu composes 80% de notre chair et de notre sang. Oh, esprit de l'eau, tu es un tel mystère. Liquide à l'instant, tu deviens soudain glace, neige. Énergie des gens négatifs, des mondes et des dimensions. Accorde-moi la jeunesse, la sagesse, le savoir, la santé, la force, la joie, le bonheur et une paix intérieure durable. Nous accueillons l'esprit de l'eau en nous. Nous ne formons qu'un même corps. Nous sommes. Nous nous jetons du haut de la cascade. Nous te remercions, esprit de l'eau, avec notre esprit, notre corps et notre âme. Il n'existe une vie sans toi. Nous honorons la beauté qui se cache en toi et dans les autres éléments. Disparu, comme la dernière fois. Claire, salut. La finale approche, V. C'est le grand jour. Ouais. Tu me rejoins? Je suis déjà sur place. Ça marche. Juste un truc. On va conduire sur l'autoroute, alors il nous faut une caisse ultra rapide. C'est toi qui choisis. Ta caisse ou piste? On va prendre la mienne. Je le sens mieux. Pas de problème. On se retrouve sur la ligne de départ? C'est ça. Attends-moi là-bas. Je l'ai conduite. C'est pas une machine, c'est un monstre. Ouais, je l'ai conduite moi-même. Ok, on prend la route quand? Excellent. T'es mort, Samson. M'approche pas, espèce de taré. Putain, t'as vraiment aucun remords? Non, aucun. Qu'est-ce qui se passe ici? Samson, ce fils de chienne pense que je vais le laisser partir? T'es mort, tu m'entends? C'est ça ton nouveau pilote? Si j'étais toi, j'abandonnerais pendant qu'il est encore temps. Les pilotes de Claire ont tendance à mourir. Sale fils de pute! La vérité, c'est que Dean était un mauvais mari et un mauvais pilote. Il avait tellement le melon que sa tête passait plus par les portes et il a fini par le payer. Admets-le! C'est son ego qui l'a tué, pas moi.
T'es qu'un putain de déchet humain, Samson. Claire, arrête! On a une course qui nous attend, là! T'es mort! Je t'emmerde! Allez, Claire, garde ton énergie pour plus tard. T'inquiète pas, mon chou! Je t'en prie, ça fera son massage préféré après! Couche-toi de lui. Et le lâche pas! Si tu gagnes, on va t'emmener au paradis, trésor! Y'a pas de soucis! Allez, à vos véhicules! C'est l'heure de froisser de la tôle et de défoncer des crânes! Dans son élan. Colle-lui au cul!
Comment ça va, Samson? Claire, pitié, fais pas ça, j'ai rien fait! T'es sûr de ça? Sale raclure de merde? Hé! La laisse pas faire, je t'en supplie! Claire, pitié! Putain, Claire, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas tué Dean! Toi, tu la fermes! Il s'est tué tout seul, putain! Laisse-moi partir! Rien à foutre de ton baratin! De quoi il parle exactement? Quelle importance! Il essaie de sauver sa peau, c'est tout. Non, pitié! La laisse pas faire! J'ai pas tué son mari! Je t'ai dit de la fermer! Claire, attends. Je veux entendre ce qu'il a à dire. Pourquoi faire? Qu'est-ce que t'as à dire, Samson? Dean a voulu me doubler, juste avant la ligne d'arrivée. Mais il a perdu le contrôle! Tu nous as percutés! Et alors? C'est contre les règles? Ça arrive tout le temps dans ces courses! C'est vrai, Claire. Samson a fait ce que n'importe qui aurait fait. Ça a pas d'importance! Ce connard a tué Dean! Il doit payer! Qu'est-ce que t'attends de moi? Toi aussi, tu tues des gens, comme tout le monde! Claire, c'était un accident. C'est le monde de la course. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde! Et tu veux que je laisse ce... Tu veux que je laisse cette tordure s'en aller? C'est ça? Très bien. Fais ce que tu veux. Fais des prières, connard. Quoi? Non! Ton mari n'était pas aussi innocent que tu... On se tire d'ici, V. S'il te plaît. Non, merci. Je vais me débrouiller. Et toi? Ça va aller? Comment ça? Pourquoi ça irait pas? Bah, tu sais... c'est la fin. De la course? Ou de ma vendetta? C'est la fin des deux, en fait. J'en ai marre de vivre dans le passé. Il est grand temps que ça change. Selon la doctrine chrétienne traditionnelle... T'es sûr que ça va aller, Claire? Tu vas pas faire de conneries? T'as peur que je fonce dans un mur au premier tournant, c'est ça? Non, t'inquiète. C'est pas le genre de la maison. Beast est à toi. Quoi? Tu me donnes ta caisse? C'est pas la mienne. Elle était à dîner, moi. Mais vu qu'il y a plus de nous... Prends soin de toi, V. Et fais gaffe à ces virages si tu veux pas finir dans un poteau. Thank you.
de bébé. Tu te souviens de moi? Ça a dû être un jour comme un autre pour toi. C'est pas vrai? Pour moi, c'est le jour où t'as détruit ma vie. Pépé m'a foutu dehors. Je suis à la rue. Alors, j'espère que t'es fière de toi. Les contours de ta conscience sont bien plus nets à présent. Le nœud dans ton esprit commence à se défaire. Tu te noies dans l'instant présent. Je crois que je commence à saisir le truc. L'harmonie intérieure, c'est comme rentrer chez soi après un long voyage. Ne t'accroche pas trop à tes pensées. Laisse-les plutôt couler librement. Un crapaud serre-t-il les poings lorsqu'il nage? Quel bruit font des applaudissements d'une main? Cela dépend. Y a-t-il quelqu'un qui applaudit avec toi? J'aimerais en essayer une autre. Combien souhaites-tu payer cette fois? Ça suffira? Bien sûr. Tu peux commencer. Je vais te guider. Voici une méditation de l'élément du feu. Nous sommes en forêt. Nous voyons des rayons de soleil traverser la canopée en dansant vers les langues de feu en dessous. Esprit du feu, esprit du soleil, je te salue. Tu donnes de la beauté à toute autre chose. Je suis toi et tu es moi. Il n'existe nulle vie sans toi. Tu as permis ma création et je retournerai à toi. Esprit du soleil, feu primordial, brûle les impuretés de mon corps et de mon âme et les mauvaises énergies des gens négatifs, des mondes et des dimensions. Purifie chaque cellule de mon corps. Donne-moi l'énergie de la vie, la santé, la jeunesse, la sagesse, le savoir, la force, la joie et le bonheur. Offre-moi une paix intérieure durable, afin que nul ne puisse troubler mon équilibre sacré. Les yeux mi-clos, nous absorbons l'énergie divine du soleil. Par nos yeux, l'énergie du feu, du soleil, atteint notre tête et s'écoule dans chacun de nos organes, jusqu'à nos orteils. Chaque cellule de notre corps, même la plus infime et éthérique, est revitalisée par l'énergie du soleil. Et du plus profond de nous, jaillit la lumière. Nous sommes le soleil. Nous te remercions, esprit du soleil, élément du feu. Avec notre esprit, notre corps et notre âme. J'aurais dû m'y attendre.
pas une seule âme sur Terre ne t'attendrait comme je l'ai fait. Vous savez, je commence à m'habituer à ces petites rencontres. Je sens que tu as beaucoup de questions. Je ne pourrai répondre qu'à une seule. Vous êtes qui ? Et pourquoi vous arrêtez pas de disparaître ? Tu ne peux poser qu'une seule question. On ne peut escalader deux arbres différents en même temps. Putain, vous êtes sérieux ? Les jurons aussi purifient l'âme. Es-tu prête pour la dernière technique de méditation ? La dernière ? Oui. Son enseignement te coûtera ce que tu veux. J'espère que ça ira. Je vais te guider durant la méditation. Voici une méditation de l'élément de l'air. Nous sommes en montagne. Nous gagnons le sommet. Nous nous glissons entre deux rochers. Sur le premier est posé un aigle. L'esprit de l'air traverse chaque cellule de cet animal. Esprit de l'air, vent primordial, je te salue. Nous sommes du même sang, toi et moi. Tu es en moi et je suis en toi. Sans toi, la vie ne durerait pas plus de quelques minutes, tant tu nous es vital. Oh, grand esprit de l'air, purifie mon corps et mon âme, emporte la douleur, la maladie, les mauvaises énergies des gens négatifs, des mondes et des dimensions. Donne-moi l'énergie de la vie, accorde-moi la santé, la sagesse, le savoir, la force, la joie, le bonheur et une paix intérieure durable. Je suis un aigle. Le vent gonfle mes ailes, caresse mes plumes, pénètre chaque cellule de mon corps, emplit l'espace de chaque atome, chaque molécule. Le vent purifie le corps, l'âme et le corps subtil. En tournoyant, nous nous élevons dans le ciel. Nous ressentons la légèreté, la pureté et la joie. Le bonheur, la paix et l'harmonie emplissent nos corps. Nous te remercions, esprit de l'air, avec notre esprit, notre corps et notre âme. Envolé. Bon, il a laissé quelque chose au moins. Putain, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus. Tu vois ça ? Il y avait un maître zen là, et pouf ! Il a disparu. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il m'a appris à méditer. C'était assez bizarre. C'est pas mon truc. Va parler de ça. À Misty, si ça te tracasse. Bonne idée.